Nanga moto babenga kinga ngambi Elon babenga ngai azanga Nanga moto babenga kinga liambo Elon babenga ngai akeleli Mama nange luti ya mwana yeti kebuta La kufisita moto. Il faut être un artiste. Et moi personnellement, j'ai toujours dit que un artiste, c'est celui qui fait toujours de son mieux d'être complet. Il est la légende et il demeure toujours la légende. Ça, c'est la vérité vraiment de la musique congolaise, Koffi Olomide. Aza, la vérité, je dirais, qui est de mon continent africain. Osamobimba, actualité culturelle et Fanda. Ah ouais, chers amis internautes, connectez-vous et abonnez-vous massivement à la chaîne Kitchona TV. Moi-même, Mirio, je me suis déjà abonné. Et toi, faites pareil. Tchèt. Kitchona TV, ma seule on les a ou quoi. Yara Oloba, 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 Yara Oloba. Kitchona TV. Ma kamba solo ya la bagage na yo ya ka ozana ba fête no ya ka to lobelo ozana ba faire na yo ya ka to lobelo ngo kitona tv nga le kaka boyo le kaka ba de match ko bandela ma ka mtu awa kitona tv. Vous êtes de milliers de personnes à nous suivre à ces moments, partout dans le monde. Salut et bienvenue sur Kitchona TV, une autre façon d'informer et de communiquer avec votre humble serviteur, Ben Mavembo, les positivistes. Chers internautes, comme vous le savez bien, quand il s'agit surtout à vous, nos abonnés et à celui ou celle qui profitera vraiment de suivre cette émission, j'aimerais bien qu'il faut développer le besoin vraiment qu'il tire ouana de s'abonner, de liker, de commenter, de suggérer et pourquoi pas aussi vraiment de critiquer, combien même il s'agit de critiquer, parce que j'ai toujours un seul langage de vous le dire, qu'aucune œuvre scientifique n'a jamais été parfaite. Vraiment, chers internautes, merci beaucoup d'abord à nos abonnés, bon, ça l'a tellement bien de partager nos émissions, et pourquoi pas aussi, na bana news tout à London, donc bana Londres, un grand merci à vous, parce que nous sentons réellement cet amour-là, vraiment fraternel, au besoin qu'on manifeste, na une belle chaîne que vous avez déjà na Katia London, et puis partout dans le monde, Kitchona TV. Vraiment, ma raison d'être ici, et vous devez comprendre simplement que, en qualité d'un journaliste, d'une autre façon, nous sommes aussi analystes culturels, et ça nous demande aussi, à un moment donné, de concentrer le temps sur, surtout, analyser vraiment, je dirais que des analyses très objectives, des analyses très impartiales, à des sujets aussi très délicats, notamment les sujets où on a développé tout au long, surtout, il y a cette analyse personnelle, parce que nous le savons bien que Koffi Olomide, il y a cela quelques jours passés à Otukobima, vraiment, il a brisé le silence, je dirais. Nous avons compris que ici en République démocratique du Congo, Koffi Olomide, ça fait et ça l'est quand même un bout de temps à bander vraiment sous ce cause à la pas trop régulier ou encore pas trop constant au niveau des médias et. Analyse d'Anga, ils ont beaucoup plus basé sur Koffi Olomide. Et puis, à un moment donné, je vais chiter surtout sur le sujet de Ferregola. Mais avant vraiment d'entrer dans le vif sujet, ou soit dans le sujet proprement dit, j'aimerais d'abord bien remercier mon boss, Jack Kitchona, l'étoile du berger. Lui-là, il n'a pas un problème d'argent, il a un problème de dépenses. Et pourquoi pas aussi à mon vieux Faustin Kitchona. L'honorable, elle est bien dédiée, mon vieux René Mania Motomoko, très 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 bien. Et pourquoi pas aussi à mon vieux Amédée Mavila, le conseiller du chef, le conseiller de mon boss, et Dieu Kitchona, l'étoile du berger. Chers internautes, vraiment encore une fois de plus, ma raison d'être ici, c'est pour une simple et bonne raison, vraiment d'essayer de faire voir la grandeur de Koffi Olomide, d'essayer quand même de vous donner l'essentiel de ce que Koffi Olomide est en train de préparer ces derniers temps pour la culture de mon pays et pour valoriser mon pays et pour donner beaucoup plus surtout c'est pour ça dire pour essayer de mettre ses valeurs toujours dans l'art. Parce que tu as dit que Koffi Olomide, à ce qui concerne l'art, il donne toujours le meilleur Yaye Moko. Vous savez, après avoir commis sa 13e apôtre Koffi Olomide, il est vrai que à mes moi mon cœur commis sa moi single et belé.
Mais moi, je pense que Koffi Olomide, il ne cesse surtout jamais de donner le meilleur de lui-même, combien même il s'agit. Il y a côté qu'il tire, il y a Mboka Nangai, ou soit il y a côté qu'il tire, surtout il y a. Il y a côté surtout art, il y a Mboka Nangai. Mais seulement, vous savez, si aujourd'hui nous appelons Koffi Olomide légende, c'est parce qu'il a trop donné dans ses pays, il a trop donné dans l'Afrique, il a trop donné et pourquoi pas aussi dans d'autres continents. Koffi Olomide, à vrai dire, il ne fait que s'adapter, il ne fait qu'actualiser la musique selon, je dirais que selon la nouvelle technologie, il y a mesure du temps, Ndengezo Kende. Prévenez que Koffi Olomide, personne ne croyait qu'un jour Koffi Olomide a robé Taïm Soussou, Bajera Bastille, Babado, voyez-vous? Parce que, vous savez, lorsque vous avez de l'intelligence variée, on a toujours tendance, surtout, à s'adapter dans toutes choses. Parce que l'intelligence s'adapte. Intelligence et s'adapte à ça. Koffi Olomide, aujourd'hui, à moins que je m'abuse, il a 64 ans. Mais laissez-moi vous dire ce que fait Koffi Olomide. Donc, ce qu'a fait Koffi Olomide hier et ce que fait Koffi Olomide aujourd'hui, moi, je pense que Koffi Olomide, c'est quelqu'un qui mérite vraiment aujourd'hui, dès son vivant. Moi, je pense que dès son vivant déjà, Koffi Olomide, c'est quelqu'un qui mérite déjà un monument. Avant même que demain ou après-demain, tu perdrais. Mais seulement, mon souci est que Koffi Olomide a se rajeunir encore. Mon souci est que Koffi Olomide vraiment a continué toujours à mettre ma valeur artistique naïe en place pour pouvoir, parce qu'il est le seul, je dirais qu'il est le seul que parmi ma grands, autotikali moi mouké naïe. Voyez-vous? Et moi mouké le toko basou kete ba vina biso redi a misi par rapport à âge et puis par rapport à savoir. Surtout dans la cinquième génération, nous le savons bien que dans la cinquième génération, nous avons pas mal d'artistes. Mais seulement le plus important dans tout ça, je suis venu simplement surtout vous faire voir la valeur artistique de Koffi Olomide et puis de parler surtout de ses collaborations. Je pense bien que dans quelques jours, comme il a prononcé aussi le week-end dernier, que dans quelques jours, il y aura déjà un featuring fort entre Ye et puis na Charlotte Dipanda. Vraiment, je pense bien que Boyebi peut savoir oyoyo Charlotte Dipanda za la Ranango. Mais tout au long de cette analyse, je vais demander à la régie, na bokasité surtout ya Jérémy Makiese, ba mekako balancer le biso moi extrême d'ambo au Koffi Olomide a dévoilé vraiment dans sa parcelle et puis nous allons revenir pour beaucoup plus de détails pour progresser dans na analyse nanga. Suivez et puis nous allons revenir avec beaucoup de détails. Merci. Là, mon élément, c'est la chanson. Ah ouais. Et voilà. Salut,
Oh, sala o zonga, sala o yaye, manake kumi bange. Amutu babinga ginga rambo, lelo babinga yili bimbi. Angamutu babinga yakelela, lelo babinga yina zange. Mawanange lutia mwana yetike puta. Tout ça pour vous dire, les amis, il n'y a rien de meilleur que le travail. Moussala n'est pas formé. Tout ça, il y a Moussala, Tomi Pesala, Moussala, Salon. Moi, on a eu un soutien, Salon. Merci beaucoup à vous, nos abonnés, et merci beaucoup na oyo, surtout à Kolanda Libaku et à Kolanda Émission. Je pense bien que vous avez suivi surtout cet extrait de Koffi Olomide. Vous savez, il faut être un artiste. Il faut être un artiste. Et moi, personnellement, j'ai toujours dit qu'un artiste, c'est celui qui fait toujours de son mieux d'être complet, qui s'est gratté, qui s'est participé. L'autre fois même, j'ai fait une petite analyse. Bon, je ne dirais pas que c'est une petite analyse. J'ai fait une analyse avec mon confrère, c'est mon aîné, Jérémy Yoka. On a essayé quand même de faire voir quand même par rapport à Koffi Olomide, comment il participe même dans le studio. Mais en suivant cet élément, je pense bien que vous avez quand même compris, vous avez eu l'idée que Koffi Olomide, c'est un artiste complet. Il a dévoilé un petit extrait, il y a featuring Oiseau préparé na Charlotte Dipanda, parce que je tiens déjà à vous informer que Baza déjà dans le studio. Baza déjà dans le studio, donc on va préparer quelque chose de lourd. Et puis Koffi Olomide, ces derniers temps, il est trop sollicité et il ne sait pas surtout comment planifier son agenda. Mais je pense bien qu'en qualité d'un artiste vraiment visionnaire, en qualité d'un artiste intelligent, il va essayer d'équilibrer des choses de manière que aïe bandeline au moins il y a qu'au satisfaire paix bateau bazo salaï appel pour le featuring pour la collaboration, parce que il est la légende et il demeure toujours la légende. Ça, c'est la vérité vraiment de la musique congolaise. Koffi Olomide aza la vérité, je dirais, qui est de mon continent africain. Mais il tient toujours à informer naba mélomane et puis naba famille au numéro taille moko naba na famille kofifienne na famille kofifienne que le 23 novembre New Arena aura bel et bien lié, parce que souci na biso za que COVID-19 faut vraiment et le cas nos artistes ba continuer toujours ko prester avec succès, ba continuer toujours ko prester pour na côté ka vraiment qu'il tire yambo comme le fait Koffi Olomide. Mais Koffi Olomide toujours dans le cadre, il y a préparation, il y a légende. Parce que légende, déjà, discours qui est très bien. Koffi Olomide a bandit déjà. Il a déjà entamé la préparation. Du fait qu'il a déjà entamé la préparation, et il a essayé de dévoiler une collaboration avec un grand artiste aussi africain. Au nom de Davido. Il dit que Davido, c'est un artiste fort, c'est un artiste talentueux. Et Lelo Oyoyo, moi, je me réjouis de voir aujourd'hui Davido na habité sur JM Olanda Kiango na deuxième volume, il y a un presse en New York. Obite bazoki Davido, là c'est déjà un honneur. C'est déjà une honorabilité, c'est vraiment une fierté de mon continent de voir Davido na vraiment na film, il y a un presse en New York. Moi une célébration ça là qui wana, mais Davido est en train de prester. C'était vraiment quelque chose de très louable, c'était vraiment quelque chose de lourd. Là je pense que tant on va venir dans la bouche bouchir, il y a battu la mère Ornella la bichesse. Donc là moi déjà venir dans la papi bouchir wana, et pourquoi pas aussi na sœur na ngamo Toto, sœur nanga Toto Bouchir Garba, nakati ya Madrid wana, ba comprendre réellement grandeur surtout ya ba artiste na biso ya continent na continent africain, et pourquoi pas aussi de ce que Koffi Olomide o yaza ko sala pour na férité ya mboka na ye la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi toujours dans les cadres il y a préparation, il y a légende. Koffi Olomide, le week-end dernier, il a dévoilé que tenez-vous prêts parce qu'il y aura une collaboration comme pas possible avec Davido. Et ça sera du lourd. Ça sera du lourd. Je vais essayer de m'étarder un moment à ce qui concerne des collaborations. Je vais essayer d'étarder un moment à ce qui concerne de featuring. J'ai suivi pas mal des artistes parler de featuring, parler des collaborations, notamment Héritier Wata. Il a été vraiment
On l'a posé cette question concernant ma featuring chez mon confrère, c'est mon aîné que j'aime beaucoup aussi, Charlie Prince. À tout les question, mon coach, je me rappelle, il y a cela une semaine même passée, j'ai suivi les émissions. Mon aîné lui a posé la question, ou soit mon confrère lui a posé la question, les bien fondés de featuring, ou soit les bien fondés de collaboration entre des artistes. Vous savez, on a toujours prôné la valeur, on a toujours prôné la qualité. Featuring, oui, c'est bien beau, mais seulement j'ai aimé d'une part l'intervention d'Héritier Watanabe. Wat a dit, supposons qu'il est dans un opice, Nakobanda première chanson, ou soit la première chanson jusqu'à la dernière chanson. Au salika featuring, featuring, featuring. Mais qu'en est-il de la prestation, de la manifestation musicale, pour ne pas dire des concerts? Quand il s'agit peut-être de concerts, quand il s'agit de festivals, est-ce que l'artiste Oyoyo a pensé qu'il peut-être aime sous disque, ou soit a dédié qui disque naïe, na ba featuring de A à Z? Est-ce que ça sera possible? Sera n'a livré concert à Salaka appel na ba tu nyos tu wana ba Salaki featuring pour ba livrer na ba concert na même podium? Question mark. Et j'avais aimé la réflexion, j'avais aimé la cogitation, pour ne pas dire le processus de raisonnement d'Héritier Watanabe. Le featuring, la collaboration, c'est bien beau, mais seulement à un certain niveau, on doit faire la part des choses. Dans quel sens? Quand on parle de featuring, quand on parle de collaboration d'un projet musical, il faut toujours s'attendre à un plus. Et il faut que ce texte-là, il faut que ce thème-là, et ça va faire un thème, marche courte. Voilà. Et ça va faire un thème, marche courte. Mais par contre, et ça d'abord un texte bien fondé, un texte costaud, rempli de valeur, pour que vous ayez échange culturel dans les bons. Nous ne voulons plus que le featuring et ça les mains dans le sens que. Tout ça, c'est pour faire plaisir et jouir succès. Mais dans les fonds, dans les contenus, il y a peut-être de la sauce bousière. Ou soit, il y a peut-être du blabla. Ce n'est pas absolument ce que nous voulons. Mais moi, personnellement, je suis fort convaincu à la valeur artistique de Koffi Olomide et à la valeur artistique aussi de Davido. Vraiment, bah, au produit Fourimo Yamalam. Bah, au produit Fourimo Yamalam. Si et seulement si j'ai profité au moins de parler un tout petit peu dans l'intervention à Héritier Watanabe à ce qui concerne le featuring, c'est parce que tout ça la carte featuring, c'est parce que nous voulons faire des featuring, mais seulement tout ça la featuring est demeuré, est tikala. C'est-à-dire, même dans le bana autozobota, demain ou après-demain, ça sera toujours dans le leçon mon corps attiré à ce qui concerne vraiment le featuring. Là, c'est un aspect très important, surtout dans le monde de l'art, et puis ça valorise. Ça donne beaucoup plus de l'honneur. Koffi Olomide, c'est là où que je vais citer sur la personne de Koffi Olomide. Koffi Olomide, c'est quelqu'un qui prépare aussi, a préparé, je dirais, que tournée africaine naïe. Je pense bien que déjà à partir du mois d'août, septembre, ouais, JM, à partir du mois d'août, septembre, comme il avait déjà annoncé, juin, donc je pense bien que ça sera déjà. Préparation, c'est-à-dire qu'il y a une tournée africaine. Nous le savons bien que ça fait un bout de temps qu'Koffi Olomide, et puis comprenez qu'avec la pandémie de Covid-19, c'était vraiment difficile à des artistes. Hein. C'est-à-dire, bah, ensemble, là-bas, tout, bah, plus de 500 000 personnes. Tout ça, c'était dans le cadre de respecter des gestes barrières. Mais seulement du fait que le roi Covid, dans moi, est comme dans moi, qu'on s'est éloigné un moment et donc tout ce qui a vraiment artiste Nabiso va s'exprimer n'est pas mais ça n'a qu'à s'exprimer et voilà pourquoi Koffi Olomide a jugé bon surtout de lancer tournée africaine déjà pour ce mois de juin. Moi je pense que en connaissant Koffi Olomide, ce qu'il a fait hier et ce qu'il fera demain, dose d'excellence, surtout il y a Moussala Naye et ça sera vraiment très super bien. Et maintenant, je vais parler un moment de Jésus de Niance Ferregola, parce que nous le savons bien que présentement, Jésus de Niance Ferregola aza ko passé ba séjour naye ou soit aza séjourné. Aza séjourné na niveau ya Belgique wana, toujours dans le cadre ya préparation, ya harmonie.
un disque ou soit je dirais qu'un opus tant entendu. Exactement, disque mort tant entendu par ma mélomane, il y a bonne musique, par ma gladiateur, par ma gaulois, par ma gauloise. Parce que tu dis que Ferrego là, après ça sera toujours des bons produits. Tu dis que Ferrego là, après ça sera toujours le meilleur. Il y a ma potentialité artistique au Yazalranango. Et puis d'ailleurs, surtout ça, il y a quand même moins marche en arrière. Na carrière, na yé, au Yazala, je dirais que c'est un artiste qui mérite aussi beaucoup d'honneur. Ce que Ferrego là fait, na maison mère, ce que Ferrego l'a fait dans les marquis, ce que Ferrego l'a fait même dans le quartier latin, c'était toujours louable, c'était toujours souhaitable. Et na carrière personnelle, ou soit na carrière na yemoropé personnelle, nous constatons, nous remarquons que Ferrego l'a, c'était déjà un produit prometteur vraiment pour la musique, pour la culture, il y a beaucoup cannabis. Et Ferrego l'a alingi à kota la musique urbaine, mais avec un style séparément des autres. J'ai bien dit, on doit bien souligner surtout cet adverbe séparément des autres. Pourquoi? Parce que il a ses propres styles à lui. Il aime bien conserver, il aime bien garder la rumba congolaise. Mais seulement à comprendre un moment qu'il faut ouvrir les champs. Voilà. Ferrego a compris qu'il faut ouvrir les champs. Ferrego a compris qu'il faut commémorer Mouké Rumba na angle Moroboué, pas comme avant. Je vais m'expliquer. Ferrego avec harmonie, c'est une. Je dirais que c'est un style, ou soit c'est une manière musicale un peu ouverte. Voyez-vous? Et sa manière musicale Moroboué un peu ouverte. C'est-à-dire, ça va pouvoir permettre na 5 continents autour de ça dans le monde. C'est-à-dire, bah, tout nous tout bas se retrouver. Voyez-vous? Mais ça sera appelé rumba trap. C'est-à-dire, rumba trap wana, je me rappelle bien l'année passée, c'était au mois de le mois m'échappe, mais l'année passée, lorsque Ferrego a lancé le single il y a Regarde-moi, seulement nous avons déjà eu l'idée, il y a genre, il y a style musical oyoyo à Kosala. Il a bien dit même na ba passage na ye, ba passage médiatique na ye. Abi, il y a une nuance na style musical o ngano sala na ba ninga na ye congolais o mususu ba salara. Notamment Fali Ipupa, hein, Tokos D, c'est-à-dire style, son propre style. Et Ferrego aussi également a un propre style, na yemoko boy rumba trap. Vous savez, moi, lorsque je prends assez de temps, il y a autant la rumba trap wana, avec le style musical de Jessie de Nyons, je me dis qu'il n'y a aucun style musical peut compliquer Ferrego. Là, vraiment, je le dis, avec beaucoup de conviction. Il n'y a aucun style musical qui vraiment qu'on mène Ferrego la vie dire. Déjà à partir à regard du Wanda Pesa Ebiso. Et seulement, il faut te comprendre déjà que l'idée globale, te comprendre déjà, je dirais que l'ensemble, il y a harmonie, ndenge pese la makambo. Et puis, comprenez que c'est pour la première de faire ego là, de s'entremêler ou soit de se mêler dans cette belle aventure. Vraiment, il y a musique urbaine, mais avec un style séparément des autres. Toujours. Na cadre il y a la personne de Ferrego là, je tiens à vous informer que Azape Susuna a un projet où il a faire appel na baninga na ye, il y a maison mère, ba ancien, ba collègue na ye, il y a maison mère. Et titre il y a disque on a beau bien très bien que ça sera appelé Dynastie. Dynastie ça se prépare bien, tout le monde a combien, ba Bill Clinton, ba ça s'est donné au foulé au moulin, tout le monde a degré que ba Babi Ndombe et pourquoi pas aussi d'autres artistes ont vraiment basé qu'on s'est donné corps, âme et esprit de façon que projet est réussir. Et ça le projet mon inachevé, mais ils ont le projet mon bien achevé. Et puis pourquoi pas aussi, et puis ça en plaire Nango. Nané, tu es là qui ouenge Kala,
Nandenga Sali a sali appel na ancien surtout à maison mère. Moi personnellement, je tiens à féliciter Jésus de Nyons parce que c'est une belle initiative et puis tolingi quand même amour fraternel et régner avec nos artistes et musiciens, tolingi amour fraternel et régner vraiment avec nos musiciens parce que binonyons tout beauté qu'a toujours qu'il tire yambo kanabiso avec amour. Beauté quand toujours avec beaucoup de valeur, beau demeurer bongo et ça sera vraiment très super bien. Ferrego là, c'est 24. Le 24 déjà de ce mois, il a un grand concert, il a un festival, je dirais même, il y a une manifestation musicale na Gombe, na village chez Temba. En tout cas, bagouloise, gladiateur, normalement on a déjà des degrés beaucoup motivés. Tout le monde a que ces derniers temps avec surtout décision, contre Kabazui, concert beaucoup plus économique qu'on s'est livré. Peut-être les après-midi, à partir déjà 20h30, 21h juste déjà. Moi, Ayebela, mais toujours dans les cadres. Ya kolinga art ya mboka tout mon Jésus de Nyons a toujours qu'organiser, a toujours qu'on mettre surtout en plaisir ba mélomane et puis ba tout balinga surtout la bonne musique na tamoro ya bien, c'est-à-dire après-midi déjà boyé wana na bleu moi lemba moi gondo moi la coste moi chemise moi lemba ndé ba kongola bien ba chemise à manga et puis aller Simbanzela to kende to ki mo ba rumba bien on a le roi ba manix to ba to ki ba rumba le roi ba jugement et puis pourquoi pas ba kita libaya, vous vous rappelez de ça parce qu'il y a dit que bolingra tellement musique et puis voilà. Mais chers internautes, c'était juste dans le cadre de vous donner l'essentiel de nos artistes parce que toujours remarqué que baza vraiment tout le temps en mouvement et c'était un réel plaisir pour moi surtout de se pointer à l'horizon, d'essayer quand même d'ouvrir le champ et d'ouvrir cette analyse par rapport à Koffi Olomide, à Ferregola et avec d'autres artistes combien même tous vraiment en possession il y a actualité na bango, vous le savez bien que nos abonnés, vous le savez bien surtout dans London, tout le monde a toujours combien baza vous s'est donné au foulé au moulin et ça c'est toujours plaisir pour partager nos émissions, de liker, de gérer, de critiquer et puis pourquoi pas aussi de commenter parce que va commenter na binoana et ça la rabiso gère tu vas te ah tel abonné à ligne tout ça la boye tel abonné ligne tout ça la boye tout ça on a toujours pour vous informer parce que vous informer c'est notre devoir et quant à moi on est fini, nous sommes vraiment pratiquement à la fin de cette petite analyse sur nos grands ou encore pour nos artistes et musiciens. Je dis un grand merci à mon boss Jack Intuna, l'étoile du berger, beauté plus l'argent ça donne la force. Mon boss n'a pas un problème d'argent, il a un problème de dépenses et un grand merci encore une fois de plus na mère Ale qui aspara l'indambi depuis les États-Unis ben mavembo noyeyo et un grand merci à la noblesse oblige mavembo futur juriste, un grand merci na mon vieux René Mania Motomoko très bien et pourquoi pas aussi à mon vieux Amédé Mavila mon papa d'amour celui-là c'est le conseiller de mon boss c'est Dieu Kintona et un grand merci encore une fois de plus na Robert Kintona, un grand merci na Patrick Monga et na vie na Ngamoko Hilaire Midaille, mon vieux Hilaire Midaille et un grand merci encore une fois de plus na mon vieux Marco Diolé là les passeports rouges fitir député babi 2023 aux ana soutien na biso moro total, un grand merci na DJ Bling Bling DJ Diamant na Katia London, le seul et l'unique DJ na Katia London ana ba moyen na yi. Et voilà, un grand merci encore une fois de plus na mon cordon Gigi Mayama et un grand merci na Aimé Makanda et pourquoi pas aussi na Mama Kulutu Jili Yabatu ya papa André Teti na Katia Toulouse wana, un grand merci encore une fois de plus na Ser Nangamoko Toto Bouchir Yabatu ya Vie Nangamoko Garba na Katia Madrid donc bana Espagne vous avez déjà au CP là et un grand merci encore une fois de plus na mon vieux Papi Bouchir et vraiment chers internautes to lingrabino tellement est trop, merci beaucoup encore une fois de plus parce que vous avez vraiment qu'on s'abonner comme pas possible, merci beaucoup à toi JM Jérémy Makiese, merci beaucoup à Magachou Bakayoko ma solo à coin, je pense bien que vous aurez déjà pour ce vendredi comme d'habitude avec Magachou et un grand merci encore une fois de plus na Nancy c'est les camarades du Nangaï VIP de la presse, je t'aime tant et un grand merci encore une fois de plus na mon vieux
mayele dinatiété. Vous êtes tellement ébélé, en tout cas, vous comprendre que tout l'ingrabino est mingi, tout ça toujours des kernabino. Je vous aime tant, je vous aime énormément. Quant à moi, on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.